Salam alaikum, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On vous amène aujourd'hui au Sénégal avec un plat traditionnel à base d'oignons et de poulet, le poulet yassa. Pour cette recette, vous aurez besoin de 6 à 7 pilons de poulet, 3 oignons coupés, 3 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à café de sucre, le jus d'un citron, 3 à 4 gousses d'ail haché, 4 à 5 feuilles de laurier, 2 cuillères à soupe de persil, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de piment d'Espelette facultatif en fonction de vos goûts, du sel et du poivre. Nous allons commencer par la marinade. Dans un saladier, mettez la moitié de l'ail, le jus de citron, la moutarde, le persil. Les épices, le sel et le poivre. Bien mélanger le tout. Prenez vos pilons et bien les imprégner de la marinade. Disposez vos pilons marinés dans une assiette. Mettez vos oignons dans le même saladier que la marinade. Dans une poêle d'huile chaude, faites saisir vos morceaux de poulet. Une fois dorés des deux côtés, retirez-les et mettez-les de côté. Retirez l'excédent d'huile, puis faites revenir dans la même poêle vos oignons. Une fois vos oignons translucides, ajoutez l'ail, vos pilons de poulet, et les feuilles de laurier. Versez dans le fond de votre saladier de marinade 350 ml d'eau, puis ajoutez-le à votre préparation. Ajoutez le sucre en poudre. Et laissez cuire une trentaine de minutes à feu moyen.
Voilà, notre poulet yassa est prêt. Notre recette est terminée. Nous l'avons accompagnée de riz. On espère que notre vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous suivre et à nous encourager avec un pouce bleu. Bon appétit et à très vite pour de nouvelles idées recettes.